Bonjour à tous les amis, c'est Courageux et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Frozenia. Et aujourd'hui, on va continuer à avancer sur l'objectif Full Ice. Bon, alors là vous vous dites, mais t'es bizarre là, tu parles d'objectif Full Ice mais t'as déjà un plastron et une épée alors que avant t'en avais pas. Et oui, j'en avais pas, mais en fait j'en ai toujours pas. Hein. Même si là on regarde, on a l'impression que j'en ai un. Vous allez voir que là, je vais faire ça. Et là, mon inventaire a disparu. Bon, c'est une petite technique, je sais même pas si on peut appeler ça comme ça, mais en fait c'est juste on spam clic en fait le shift, en fait on fait shift clic à fond sur dans le shop et en fait on a un bug d'affichage où on a en fait un petit plastron en ice, voilà. Et donc là voilà, je me suis équipé d'armure en mercure, bon, et j'ai quand même des bonnes bottes, hein, les bottes d'armure du dragon qui sont P4, U3, Fire Resistance 3, et qui donnent l'effet de Fire Resistance. Voilà. Donc on va ranger ça dans le petit EC bien au chaud, voilà. Ah oui, et vous avez sûrement vu que j'ai 17 frags d'ice. Alors que avant, au l'épisode d'avant, j'étais à peine 10. Donc là, j'ai presque doublé en frag d'ice. Je vais un petit peu expliquer. Mais avant, vous voyez que, attendez, hop, 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 hop. Si vous avez jamais vu une de mes autres vidéos sur Minecraft, en fait, vous avez jamais vu ce skin. Bon bah, parce qu'en fait, avant sur Frozenia, j'arrivais pas. Enfin, j'avais déjà changé mon skin sur le site et je comprenais pas pourquoi j'arrivais pas à avoir mon skin. Bon, bah, j'ai toujours pas compris pourquoi ça marchait pas, mais bon, j'ai réinstallé le launcher et j'ai mon skin. Donc, parfait. Voilà. Alors, je vais vous expliquer déjà comment j'ai eu ces 7 frags d'ice. Bon, alors, on va aller prendre les 7. Voilà, on va prendre les 7. Donc, alors, déjà, j'en ai eu un. C'était un don de Caramel 200306. Je sais même pas s'il est connecté. Si, il est connecté, voilà. Caramel 200306, voilà. Donc, il m'a donné un frag d'ice. Donc, celui-là, on va le ranger. Hop. Après. J'en ai eu un autre, vous savez, il y a souvent des gens au spawn qui sont comme ça, et qui se promènent, et puis qui vous disent, ouais, je drop de l'ice au spawn, ou des trucs comme ça au spawn. Bon, moi, il y en avait un qui était ici, un truc comme ça, ou là, par là, et il a drop le petit frag d'ice, et moi je suis passé. Et j'ai eu le frag d'ice. Donc, un petit frag d'ice gratis en plus. J'en ai eu deux que j'ai eu avec le slash reward, voilà. Donc là en fait c'est le rewards menu et donc on a un frag d'ice en fait quand un frag d'ice par grade tous les mois. Voilà, donc moi j'ai 3 grades j'en ai eu que 2 parce que l'autre voilà c'était pas le moment. Et les 3 derniers, et je me souviens plus. Franchement non, là j'ai un petit trou de mémoire, je me souviens plus. Voilà. J'ai fait les calculs pour savoir combien de frag d'ice il me faudra pour avoir un full ice et donc combien d'argent. Et là, ça m'a un petit peu désespéré. Franchement, oui. J'ai compté, il me faut 182 frag d'ice. 182, oui. Et donc, si j'achète tous ces frag d'ice à 50 $, ça me revient déjà quand même à plus de 9 000 $. Oui, j'ai bien dit 9 000 $. Voilà. Bon, j'ai quand même bien avancé par rapport à la dernière fois. Je crois que la dernière fois, je m'en souviens plus. Enfin, en vrai, c'est pas important combien j'étais à avant. Le plus important, c'est combien je suis maintenant. Donc, on va faire un petit slash monnaie et on est à 426 $. Donc, grosse, grosse augmentation. Hein. On est pas mal. Donc, c'est tout simple parce que j'ai plusieurs façons de farmer la monnaie. Alors, déjà, moi, au slash AH, non. Au slash AH, voilà, je vends souvent des pommes en or et des under pearls. Les pommes en or, je vends les 5 à 3 $, ça part. Bon, là, je vous ai montré, ça n'a pas parti, mais quand même. Donc, les 5 à 3 $ et les under pearls, les 16 à 1 $. Bon, ça part, c'est plutôt pas mal. Alors, le truc, c'est que j'ai programmé. Une macro là sur mon clavier, donc les macros c'est en fait c'est quand on appuie, ok, je suis peur, quand on appuie sur une touche, ça met une commande, mais je l'avais programmé, mais là ça marche pas. Bon, voilà.
Et donc là, voilà, donc là on a notre ami Eragon EFDC, qui est notre membre de la faction, et il me montre. Ah! On est sur une faille après. Bon, en vrai, c'est pas si grave que ça, hein. Bon, c'est voilà, donc voilà, j'étais en train de parler de la monnaie, donc moi je farme la monnaie ici. Voilà, ici et dans la paix. La paix qui y a pris cher. Hein. Franchement, elle a pris très très cher. Je vais vous montrer. Alors, le truc. Bon, là, voilà, ça c'est ma chambre. Le truc, c'est que ma chambre, en vrai, elle a pas beaucoup de chances de se faire attaquer parce que déjà, elle est remplie d'obsidienne. Et que le seul entrée, en fait, c'est ici. Voilà. Donc, voilà, mes coffres. Je vous montre mes coffres. De toute façon, vous pouvez pas les piller. C'est pas possible. Voilà. Voilà. Et donc. Bon, là, il n'y a pas eu grand-chose, mais c'est là. Voilà. Là, ça a pris très, très, très cher. Je ne sais même pas qui a pillé parce que je n'étais pas là. C'était mon coéquipier Dragon Sion, il me semble, qui était là et qui est mort plein de fois. Donc c'est pour ça qu'on a un très bas power. Hein. Et après ça, il a dit, bah, j'arrête. Ok, merci mon ami, merci. J'avais un autre ami, Fire Drake Blue, de ma faction. Qui s'est fait ban. Et donc là il me reste plus que Eragon. Donc s'il te plaît Eragon ne me quitte pas, s'il te plaît. Ne quitte pas Frozenia. Merci. Voilà. Donc là voilà, je récupère aussi des citrouilles ici. Et donc là on s'est fait un tout petit peu de monnaie. Et donc moi j'ai aussi un autre moyen de farmer l'ice qu'on va peut-être exploiter aujourd'hui. C'est les PNJ. Ok, j'ai eu peur, je me suis dit, non, c'est pas possible, j'ai fait ça ce matin, et là, il n'y a plus de PNJ. Bon, si, il y en a toujours. Moins que ce matin, où ils sont pas au même endroit. C'est pas juste qu'ils se sont pas fait tuer, parce que j'ai vraiment galéré à trouver un village. Non, c'est bon, ils sont là. Bon, voilà, donc là, on a un petit village PNJ, et donc, en fait, bah voilà, là, voilà. Donc voilà, pour lui, voilà, je peux me. Voilà, lui, enfin, bon, vous avez vu, voilà, on peut échanger des items qui valent rien sur Frozenia contre des émeraudes. Par exemple, du charbon, ça vaut rien. Pourtant, on peut l'échanger contre un émeraude, et un émeraude, ça vaut pas grand-chose non plus, mais ça vaut quand même. Donc voilà, donc, ouais, non, j'étais un peu en train de regarder le village, mais voilà. Donc là, on a d'autres PNJ, enfin voilà, c'est un très très grand village, je pense, et même je suis presque sûr et certain que ce village, il a été agrandi en fait par d'autres joueurs, et donc c'est sympa, voilà. Parce que là, ça déjà, hein, c'est pas naturel, hein. Et donc je pense que c'était une maison, un truc comme ça. Oh bah, on a des mobs là, c'est super. Voilà, on a fait un peu de monnaie. On a clear la zone. Ah oui, et là, j'ai quand même. Bon, je vais retourner au spawn. J'ai quand même eu des gros dons hein, depuis ma dernière vidéo. J'ai eu cette épée. Voilà, Sharpness 5, Fire Aspect 2, Looting 3, U3, Mending. Je pense que je peux le dire, c'est l'épée la plus OP du jeu, en fait. Ah bah là, voilà, regardez. On a un mec qui va sûrement drop ce. Ce joli frag d'ice aux gens. Donc c'est pour ça qu'en fait là, si vous voyez souvent des gros attroupements comme ça de personnes, c'est qu'un mec prévoit de drop un item. Voilà. Alors, juste je dis aux gens, hein, ne vous mettez pas devant, ça ne sert à rien parce que l'item ne vous traversera. Bon, en vrai moi ça m'intéresse pas, enfin, voilà. Donc, moi, en fait, ce qui m'intéresserait, ce serait de trouver. Des épées en ice en fait au market, enfin au AH pour pouvoir racheter avec ma monnaie. Voilà. Et bientôt là je vais avoir un petit échange de 3 frags d'ice pour 150 $ et 9 mercure. Bon, moi en fait c'est j'accepte cet échange parce que le mec est venu me MP Discord. Et sinon je pense que j'aurais pas accepté, enfin mais bon. Passons. Depuis la dernière vidéo, on a quand même bien augmenté en nombre d'abonnés. Donc, je vous en remercie. Merci. Bon, ouais, je vous en remercie vraiment. Et aussi, je remercie déjà toutes les personnes qui me font des dons. Alors, très souvent, il y a des dons que je ne vois pas parce qu'en fait, je quitte la journée en fait. Enfin,
Je laisse mon compte, mon jeu sur le serveur, mais en fait je ne suis pas là. Et donc je ne sais pas qui me donne des items. Comme cette épée, je ne sais pas qui me l'a donnée. Et aussi j'avais eu non, si ce casque-là, qui est P4. P4, voilà, juste P4. Qui est P4 qu'on m'a donné, je ne sais pas comment. Les bottes du dragon, je ne sais pas comment je les ai eues, mais je les ai eues. Enfin, et ces deux épées-là, on me les a aussi données. Enfin. Bon, on m'a jamais donné d'ice hein, pendant la journée parce que les gens ne sont pas fous. Hein. Ils ne font. L'ice, tu le jettes pas par terre. Tu le trades. Voilà. Donc voilà. Donc je vais pas vous. J'ai. Bon. Je vais voir si je peux trouver un autre truc à faire. Et puis je vous retrouve bah, juste après. Bon alors là les amis, en fait, j'ai trouvé un peu ce qu'on va faire. On va agrandir la farm. Voilà. Donc là on a le haut de la ferme, pardon. Et là, on a le bas. Voilà. Le bas. Le haut. Voilà. Et donc, bah, on va l'agrandir. Voilà. Donc, je vais vous faire un petit. Oh non, j'ai cassé une graine. Je suis trop nul. Je suis trop nul, je suis trop nul. J'ai cassé une graine. Bon, hop. Donc, je vais vous faire un petit avant, après. Et on se retrouve bah, juste quand c'est terminé. Les amis, je viens de terminer l'amélioration de la ferme. Et donc, bah, voilà. Donc là, je suis à 14. Et on, quand même, hein, pendant le temps que je construis, ça pousse. Ça, bon, là, j'ai déjà récupéré au moins 2 ou 3 fois quand c'était et c'est bien rempli. Hein. Donc voilà, c'est bien. Et donc moi en fait je j'arrive pas à gérer la construction de la farm. Enfin je. En fait le truc c'est que je sais pas gérer enfin miner, ça je sais faire, hein, comme tout le monde. Par contre, enfin placer les blocs pour que ça fasse stylé. Bon, là, on va pas se mentir. Ça, c'est pas super stylé, mais ça l'est quand même. Enfin, au moins, la ferme, elle fonctionne. Parce que moi, les fermes que j'ai faites, elles vont pas. Non, pas du tout. Même ma ferme, je sais même pas ce qu'ils auront pris. C'était sur Frozenia aussi. Et donc, c'était une Sky Farm bah, donc dans le ciel. Et ils me l'ont slash cut. Ils m'ont cut ma ferme. Je sais pas ce qu'il leur a pris, mais ils m'ont cut ma ferme. Voilà. Donc, oui, aussi. On n'était pas très loin quand même. Au moment où je tourne cette vidéo, on était à 16 likes sur la dernière vidéo. Donc, bah, on n'est pas au 20. Hein, je suis désolé. Donc, bah, l'objectif des 20 likes et je fais que du Frozenia, et bah, c'est pas tout de suite. Voilà. Bah, allez, je suis gentil. Je remets le même objectif. Je le descends pas. Hein, je suis pas fou non plus, mais je le descends pas. Mais on reste quand même aux 20 likes et franchement, hein, je pense que on peut le faire. Hein. Donc je vous remets les 20 likes. Et donc si on atteint les 20 likes, on ne fait que du Frozenia jusqu'au full ice. Bon, le problème c'est que j'aimerais bien ne pas faire que du Frozenia parce que j'ai des petits trucs. Non, j'ai une prochaine vidéo qui pourrait être intéressante, qui va sortir prochainement. Mais bon, si vous faites les 20 likes vite, bah je pourrais pas la faire. Il m'énerve lui avec sa cobblestone là. Bon. Bah, je vous dis à la prochaine, les amis. C'était CrouchTuba. Et avant, bah, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu et à mettre un commentaire. Ça me fait extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était CrouchTuba. Au revoir.